بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 604 dans chapitre باب التواضع وعن أنس رضي الله عنه rapporté par سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان كي أنجو لي رجع أنس بن مالك رضي الله عنه لجيب باس كت بان زنفان صبيان سي بان زنفان فسلم عليهم إلي فين فيها جد سلام وقال إلي فين جي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله le prophète صلى الله عليه وسلم جيب فيها كم سا ça c'est nos hadiths alors beaucoup les sont nous tirés là non Première leçon, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer, ça veut dire quand l'île fait ça, ben sahaba est imité, je te fais montrer tawadu aladan. Tawadu, ça veut dire l'humilité. Normalement, nous connaissons le principe, c'est que ben petit fait salam ben grand. Ben plus jeune fait salam ben plus âgé. Ça, c'est le principe. Mais seulement là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam et son sahaba fait montrer nous tawadu. Ça veut dire un dimon, les grands, les vieux passe-côte bans enfants, les lui fait autre salam. Ça veut dire, les montre les humbles. Alors, bien souvent, il y a ce réflexe-là, qui, ben, ça grandit, mon là, les sentili, autant, les sentili. Moi, mon grand, mon frère, ça m'a dit, là, salam. J'autre, qui t'y vient faire mon salam? Mon passé, tu peux pas faire mon salam, moi, j'ai dit, ça m'a mal élevé, là. Alors, qui non, en tant qu'il grandit, mon, montrez-moi humble. Ça veut dire, quand ça dit, mon là, il peut faire salam à sa bantipti, là. Pour lui-même, les bons, il peut montrer à tawadu. C'est notre topic pour aujourd'hui, mais seulement, il y en a beaucoup les autres affaires encore qui peuvent arriver là-dedans. Nous pouvons enseigner ça à nos enfants, là. Nous pouvons enseigner les autres des affaires. Nous pouvons enseigner les autres faire ça là. Et nous pouvons enseigner les autres aussi à Tawadwa. Nous pouvons enseigner les autres, je peux dire que ça, un grand film passé, l'île, il fait nous salam. Ça veut dire, ça, dans sa grand là, peine grand noir, peine pas à cause des grands, l'île passé, l'île lève sur la tête, l'île allait, non. L'île passé, l'île fait nous salam. Donc, et dans l'affection qui fait une développer. Un tas grandi monde passé, mais si un là-dedans lui passé, lui fait un autre salam. Et avant les autres riwayat mentionnés, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salam. Et tu peux dire, assalamu alaikum ya subiyan, assalamu alaikum ô ban, enfants. Donc, il y a l'affection qui est développée, et nous connaît Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment les peux comporter lui envers ban enfants. Ben, les autres riwayat, ben, les autres hadiths, montrez-nous qui les tu peux passer, les tu peux faire un autre salam. Il ne peut pas se lamer l'autre de la tête. Il ne peut pas se lamer l'autre de la tête et il peut faire droit pour eux. Il peut faire droit pour les enfants. D'ailleurs, il y a beaucoup de riwayat mentionné qui a le droit qu'il fait pour différents enfants. Et donc, ça, c'est sunnat. Ça vient nous passer, nous faire autres salam, nous passer, nous lamer l'autre de la tête et nous faire droit pour eux. Et quand un enfant finit un droit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là, ces enfants-là, ils viennent parmi les plus grands dans les sahaba. Alors, nous finissons beaucoup dans l'exemple. Il y a Anas bin Malik lui-même, il y a Abdullah bin Mas'ud, il y a Abdullah bin Abbas. Donc, nous vous trouvez que ce sont des enfants qui nous pédient ces enfants-là. Là. Finalement, après, c'est des grands. Vous êtes une vie des plus grands parmi les sahaba. Alors, nous commençons par le rapporteur de ce hadith-là lui-même, Sayyidina Anas bin Malik, radiyallahu anhu. Lui, quand ce moment, tu amènes lui dans la case de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin d'y aller, garde-lui que tout. Mette-lui au service. Qu'il a, il tient à 10 ans. Donc, il tient des enfants. Et d'ailleurs, il y a l'autre riwayat, il mentionnait lui-même, qui, moi, je tiens des enfants parmi mes enfants. Kuntourula man min al-ghilman. Je tiens des enfants parmi mes enfants, là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin passer, fin faire ça. Donc, quand il peut dire, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaf'aluhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire ça, alors il est possible qu'il, lui-même, lui, tu aimes pas, mis à mes enfants-là, que le rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin faire l'islam. Donc, en Ali, Anas bin Malik, radiyallahu anhu, Eli, il fin passe, comme on dit, sur l'enfance, sur l'adolescence, dans sohbat de rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fin vin dans ce sohbat, là, 10 ans, et quand les filles gagnent 20 ans, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit faire intégral, et dans sa 10 ans là, les filles viennent parmi man plus grands sahaba, parmi man fouqaha, et les petits parmi man qui vivent, parmi man qui plient longtemps,
les qui vivent jusqu'à l'âge 110 ans, et donc il y en a beaucoup ban les autres qui finissent jeune li qui finissent apprendre ali parmi il y en a سيدنا امام ابو حنيفه رحمه الله عليه في زمن انس بن مالك رضي الله عنه الوينابا لزوتنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم qui lui aussi tient des enfants et il finit apprendre donc beaucoup de hadiths qui lui rapportent Abdullah ibn Abbas c'est quand les petits enfants les petits adolescents avec Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam ils voyagent ensemble comment ils peuvent faire namaz ensemble avec Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam à soi et là Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et là Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu donc Sayyidina Omar radiyallahu anhu son garçon donc et là ben Abadila comment nous dire Abadila c'est un mot qui une fille vient en pluriel pour Abdullah. Après ça, ben Abadila, parce qu'il parmi ben jeunes Sahaba, ben qui quand finit une révélation, ça ben enfant là finit, là finit mettre son nom Abdullah. Il y en a plusieurs comme ça. Rasoul Allah son ben cousin Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Jafar, Ibn Jafar, et là Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, ainsi de suite. Donc tout ça ben grand Sahaba qui finit ben faqih. Ça va nati les enfants à l'époque là. Donc sa qualité des enfants là qui nous gagne là. Alors Rasoul Salam finance un zot, fait salam. Alors nous aussi, pareil, nous fait salam avant les enfants. Nous, quand ils rentrent la case, ils fait salam. Ça c'est une façon que nous inculquer ça l'habitude là. Nous donne ça l'habitude là. Quand les là quand je vous trouvez fait salam, ils viennent l'habitude. Les là, c'est plus facile pour les enfants là, ils mettent les en pratique. Et définitivement, quand Jimoun fait salam, il peut faire droit. Donc, salam, c'est un droit, ça, qui Allah se l'appelle aux autres. Wa rahmatullah, yaki Allah se rahmat. Wa barakatuh, yaki Allah se ban bénédiction aux autres. Donc, quand Jimoun peut faire ça, il peut faire droit pour ses enfants-là, et il peut montrer aux autres faire droit pour ban les autres encore. Donc, ça, c'était l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'autre affaire qui nous apprend là-dedans, c'est qui manière ban sahaba, tu peux méticuler le pratique faire pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment je tout lis, faire quelque chose, je te fais pareil, je te fais aller après, je te dis à qui, voilà, Rasulullah sallam, tu peux faire comme ça, que ça nous fait pareil. Alors, nous prenons le prochain hadith, c'est hadith 605. Wa anhu qal, toujours rapporté par Sayyidina Anas bin Malik, radiyallahu anhu, il dit, in kanatil amatu min ima'il madinati, la ta'khudhu biyadin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un esclave, une madame esclave, parmi ban esclave de Madina Munawwara. Il fait les trappes la main Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, madame, là, fin de PAJ. Pena, plus de description, là, madame, là. Pas connaît qu'il fallait une vieille jimon. Pas connaît comment elle était, mais ce qui est important de noter là, c'est qu'il y a un esclave. Il fait une trappe la main Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فتنطلق به حيث شاءت اي دونك مدام لا فين بون رسول صلى الله عليه وسلم اي فين امن لي كوت لي لي انفي دونك بان بلاص كوت لي لي تي انفي امن رسول الله صلى الله عليه وسلم الو سا حديث لا مونتري نو كي رسول صلى الله عليه وسلم بريمير لي فين ايد ديمون ان تانك ان شيف ديتا ايماجين ازوجي ان شيف ديتا بي فيه سا لي ان ايماجيناب سا سي لي بو فيه لي اوسي li pou faire li pour ostentation li pour assurer qu'il y a tout bonne chaîne caméra devant lui là ça pour faire les tout le monde un tel chef d'état qui peut faire alors que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ti sur le quotidien ça veut dire li fin trappe la main un esclave qui fin perdu normalement ça à l'époque là quand un djimoun dans ben, les autres sociétés qui n'a esclavage un djimoun s'il dit sur esclave mais si le mal faire. Comme ça, tu étais. Par exemple, si nous sommes dans la civilisation romaine, à côté, esclave, il amène quelque chose pour lui, s'il dit à lui, mais ici, le mal faire. Les comptes étiquettes. Parce que l'esclave a un autre grade, un autre qualité du monde, ça a besoin de traiter d'une autre façon. Alors, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il vient de montrer nous, non. Alors, ça, quand nous disons esclave, quand nous disons l'esclavage, là, il ne faudrait pas nous penser pareil quand nous pensons ban esclave dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Premier affaire, tout le temps, il finit en courage pour libérer ban esclave. Alors, Randimoun, il libère un esclave, et il a énormément sawab là-dedans. Il a beaucoup, beaucoup hadith là. D'ailleurs, c'est un parmi un bon travail qui, par exemple, Randimoun, il mal fait un travail, il a une faute qui Randimoun fait, alors ce kafara, c'est libérer un esclave. Donc, nous trouvons, il y a une fois, kafara, c'est faire un grand ibadat, Gadroza, par exemple.
kafara c'est pays bandi mon misère, donne jot manger bo man grand grand travail parmi la dedans et na libé esclave. Donc Rasoul sallam tout le temps vient venir quand l'in vini l'esclavage si bien ancré dans la société côté entier le monde. Donc ce l'enseignement c'est libérer esclave autant qu'il possible libérer un esclave. À tel point qu'il y a aujourd'hui peine à l'esclavage. Donc ça à l'époque là qu'il fait avec sa esclave là, il fin prend lui, il fin donne lui valeur. Lui en tant que chef d'état. Donc là il fin montrer nous une grande leçon tawadou. Les dit qu'a dire hey, un tel vin l'en coup, get sa madame l'en paye dit là amène lui côté lui besoin aller. Ça aussi, tu prends un grand travail, ça qu'il y a fait pour ça, madame, là. Non, lui-même, les fins prend, les fins amène, lui, côté bizarre. Et nous trouvons comment les fins honorent beaucoup d'un esclave, comment un esclave fin gagne un grand valeur. Aujourd'hui, quand nous cause, Sayyidina Bilal al-Habashi, radiyallahu anhu, nous cause un grand, grand, grand dimon. Quantité éloge qui nous peut faire pour lui, qu'ici, un dimon, pas tu connais un esclave, vous avez pas tu pour croire, c'est pas un esclave, ça. Quantité valeur, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donne lui. Et, donc, grand noir qui normalement manjimon est là concernant cette race, concernant cette famille, cette généalogie, concernant cette loi, tout ça là, Rasoul Sallam une fini cache tout ça là. Les films montrent nous peine pour faire grand noir le base ça manque quelque chose là. Quand il y a premier jimon dans l'histoire qui fait une dibout qui fait une dit peine la différence entre un noir et un blanc entre un arabe et un non arabe. Premier jimon dans l'histoire c'était Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous trouver ça une maladie là. Même jusqu'à aujourd'hui, dit monde peut souffrir. Même dans un grand instant, c'est là sa expression de racisme là, aujourd'hui, qui finalement, le monde entier peut bien faire une campagne anti-raciste. Et 1400 ans de cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fini, montrez-nous qu'à ce moment-là, mais tout le monde ensemble, et l'islam, fini, montrez-nous quand nous réunis dans masjid, tout le monde ensemble, peine plus riche, plus misère, peine à rien. Juste un dimon parmi eux, un imam, il y a le devant. Ça aussi, imam là, il y en a un critère, pas à cause d'un alors, on lui fait imam. Pas à cause, lui, appartenir à telle famille, il fait imam. Non. À cause, il y en a prendre courant plus, il y en a prendre din plus, à cause de ça, par vertu de la connaissance qu'il y a le devant. Ou soit parce qu'il y a un dimon âgé. Ou soit parce, enfin, nous honorons ce dimon là, dépend sur qualité qui reçoit sa somme, il montre nous. Par exemple, si nous dans place, quand un dimon resté, alors, propriétaire, ça la case là, il y en a plus droit pour lui faire imam. Apporte ça, paye une distinction. Si pas tel dimon, il peut bien venir dans le premier saf, l'autre dimon dans le deuxième saf, paye une tout cela. Et l'islam fin montre nous, lui donc, ça, le un niveau régional, le un niveau local, chaque dimon de sa Bastille, il réunit 5 fois par jour, 1 fois par semaine. Dans le moment, ça veut dire, ben, petit place. Man dimon sorti vin dans une grande place qui appelle un jamia, un masjid qui réunit dimon là-dedans fait djuma. Alors pratique ça. L'ensemble là pratique-li ensemble le haut niveau nous à nous dire national. Là une fois dans la vie le haut niveau international dans le hajj. Là toute qualité dimon joine et tout dimon ensemble. Quand ils mettent ça debout la toile blanche là personne pas pour dire qui sont là qui chef d'état, qui sont là qui esclave, qui sont là qui riche, qui sont là qui pauvre. Peine à différence, leur nationalité, leur couleur, la peau, tout le monde pareil, tout le monde fait le même rite. Alors, ça c'était l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, gagne une bonne qualité qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner les sahaba. Nous gagnons ça l'enseignement là et nous pratiquons aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawadwa et lui donne nous bonne akhlaq. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'y montre nous, qui ban sahaba fin pratiquer et qui les réunit nous ensemble avec eux dans dunya et dans akhira. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.